trônes, les dominations et ta couronne de rayons s'allume au jour du pur amour. Regina di grazia, sopra i cieli, i troni, le dominazioni, il tuo volto risplende per la luce dell'amore. Ángeles, y tu rostro resplandece con la luz del puro amor. Spirit pierce your head, O Queen of grace, higher than the heavens above. The thrones, the domination, your crown of mystic grace, lights up the day of pure love.
escorte d'univers, chante uni, tu les conduis. Madre Santa, i cieli sono in festa, gli angeli e beati cantano di gioia in coro, Regina di tutti i santi. Los ángeles te alaban, los santos te celebran en tu triunfante asunción. Extols you, O perfect Mother. Let the heavens rejoice. Let the celestial crowds and voices, those who escort you on your way, think together you lead the bright array. Thank you.
sont au-dessus de tous les saints, vivant joyaux du ciel nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous fêtons aujourd'hui la Mère de Dieu, la Mère de l'Église, la Mère de tous les hommes. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à mes frères évêques. Bonne fête à mes frères prêtres, à mes frères diacres, à tous ces disciples de Jésus et en particulier à tous ceux et celles qui s'appellent ou qui portent le nom de Marie. Et puis bonne fête aussi à nos assomptionnistes et à toute la famille de l'Assomption. En souvenir de notre baptême, recevons sur nous l'eau bénite, signe de notre vie nouvelle dans le Christ. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia! Alléluia! Pour ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Dal cuore di Gesù zampilla l'acqua viva, alleluia, alleluia. Dirà quest'acqua sarà purificato, potrà cantare, alleluia, alleluia, alleluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia, alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chanter leur joie d'être sauvés, alléluia, alléluia, alléluia. Iobi manare l'acqua viva del Signor, alleluia. Viveran incantaran, alleluia, alleluia, alleluia. S'ouvrir à tous, alléluia, alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia, alléluia, alléluia. I saw the living water flowing from Christ's side, alléluia. Said and they will sing. Ah.
de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Das Wasser, das aus Christi Seite floss, Alleluja! Alleluja! Durch dieses Wasser gereinigt und erlöst, singe dem Herrn. Alleluja! 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 J'ai vu la mère des croyants immaculés, Alléluia. Alléluia. La Vierge sainte au royaume des vivants près de son Fils, Alléluia. 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 Et Jesus hat erricket lebend Wortes Trommen, Alleluia. Alleluia. Wenn die Worter erregt, die du aus der Leben Engel singen. Alleluia. 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 J'ai vu l'Église prendre corps en Jésus-Christ, Alléluia. Alléluia. Et ses témoins annoncèrent au monde entier l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria Dei Patris. Amen.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Within the palace of the king.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Christ has been raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Death came through one man, and in the same way, the resurrection of the dead has come through one man. Just as all men in the Adam, so all men will be brought to life in Christ, but all of them in their proper order. Christ, as the first fruits, and then, after the coming of Christ, those who belong to him. After death will come the end, when we hands over the kingdom of God the Father, having done away with every sovereignty, authority, and power. For there must be king until he has put all his enemies under his feet, and the last of the enemies to be destroyed in death. For everything is so be put under his feet. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, après Bernadette de Lourdes, Benoît Labre de la Route, la bienheureuse sœur Paul-Hélène d'Alger, nous découvrons la Vierge Marie, la Sainte Vierge, pour nous aider à vivre cette béatitude, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Pauvreté de la Vierge, richesse et joie. Dans mon paragraphe sur sa pauvreté, vous ne trouverez pas d'éléments biographiques précis. Malgré toute mon affection pour les Bretons, malgré le fait que Sainte-Anne soit bretonne, je ne le conteste pas, il est peu probable que la Vierge Marie soit née à Plohermel ou Perros-Guirec. Mais nous savons beaucoup de choses sur la Vierge Marie. La pauvre de Dieu. Tout paraît, dans un premier regard, si extraordinaire en Marie qu'on peine à imaginer une pauvreté quelconque en Marie, elle qui est pleine de grâce. Marie n'est ni malade, ni âgée, elle a dû le devenir, mais nous ne le savons pas, ni marginale, ni inculte, elle connaît très bien la parole de Dieu, ni mendiante, ni martyre. C'est une femme socialement insérée, puisqu'elle est invitée à des mariages. Bref, elle n'est pas pauvre au sens habituel et visible. Pour autant, la Vierge bénéficie plus qu'aucune autre personne humaine
de la béatitude des pauvres que j'ai rappelée. Elle sublime ce que nous appelons en hébreu les anawim, les humbles du peuple d'Israël. Et elle ose chanter ce que nous avons entendu. Il s'est penché sur son humble servante. Elle ne fait état que de son humilité. C'est une singulière pauvreté que celle de l'humilité. L'humilité ne s'attribue rien à elle-même. La femme humble ne s'attribue même pas d'être propriétaire de son fils. Elle ne s'attribue rien car c'est le Seigneur qui fait des merveilles en elle. Petite précision importante pour nos jeunes. L'humilité ne dit pas qu'il n'y a rien de beau en soi, que tout est mal de ce que nous faisons. L'humilité ne nous murmure pas à l'oreille « je suis nul ». Non, non, cette forme de mésestime de soi ne correspond pas à la véritable humilité. L'humilité reconnaît la vraie source du bien qui est en nous, ce que Dieu nous donne de faire, qui peut être magnifique. Ne s'attribuant rien à elle, l'humilité de Marie ne garde même pas son fils pour elle, car elle n'en est pas le propriétaire. C'est une grande pauvreté, mes amis, vous le savez, que d'abandonner à d'autres celui qui est encore plus précieux que sa propre vie. On a vu hier, la bienheureuse sœur Paul-Hélène, qui la pauvre de la vie, mais il y a quelque chose de plus précieux que notre vie. Combien de parents préféreraient donner leur vie que de perdre leur enfant ? Donner ce que nous avons de meilleur, ce qui nous arrache la moitié du cœur ou 95% du cœur quand il nous quitte. Ainsi, Marie partage déjà son fils à la visitation alors qu'il est encore en son sein. Puis elle va le laisser aller son chemin tout au long de sa vie publique, car il va la délaisser pour vivre avec ses compagnons, ses disciples. Elle partage ainsi son trésor, elle le présente à la crèche, elle l'offre à la croix. Le Christ enfanté par elle devient le Christ partagé par elle. C'est le petit Isaac qu'Abraham doit lâcher. L'humilité, c'est de n'être même pas propriétaire du Christ, son propre fils. Nous ne pouvons pas tirer ainsi orgueil de notre connaissance de Jésus, d'être porteur de l'Esprit Saint, l'orgueil de la foi. Nous ne pouvons pas tirer de l'orgueil de nous sentir habités, dynamisés par le souffle de Dieu. Tout vient de lui, tout est en lui, tout est pour lui. L'humilité de Marie est donc son vrai chemin de pauvreté. Voilà pourquoi je l'ai appelée une pauvre de Dieu. À regarder de près, l'humilité est indispensable à toutes les autres formes de pauvreté pour qu'elles correspondent au don du royaume de Dieu. L'orgueil, nous le savons, qui est l'opposé de l'humilité, anéantit toutes les autres pauvretés. Il les dévaste aussi sûrement que la richesse dont on se vante. La vraie humilité, la pauvreté de la Vierge Marie, ne rechigne pas à être tenue à l'écart, à être regardé pour peu de choses, parce que l'humilité sait que le regard de Dieu suffit à nous tenir debout dans le respect et l'estime de soi, dans le respect des autres et l'estime de soi. Quelle richesse céleste pour la Vierge Marie ! Comment le royaume de Dieu est-il possédé par celle qui est pleine de grâce ? Sa cousine Élisabeth, sa vieille cousine, qui est enceinte, elle aussi, s'écrit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». J'aimerais reprendre cette expression, car Élisabeth, une sorte d'intuition extraordinaire, désigne la richesse céleste de Marie. « Tu es bénie entre toutes les femmes ». La richesse céleste de Marie tient d'abord à son appartenance complète à l'humanité dans sa version féminine.
Il y a deux versions, vous le savez, masculine et féminine. Marie est la femme, d'ailleurs Jésus l'appelle ainsi. Marie est la femme intégralement, pleinement féminine. Elle ne siège pas au-dessus des femmes comme si elle venait d'une autre planète, membre d'une espèce douée de pouvoirs extraterrestres. Non. La seule chose qui lui fasse défaut, entre guillemets, c'est le péché. Mais vous savez que le péché n'est pas un vrai manque. La sainteté de Marie ne lui ôte aucune compassion envers les pécheurs que nous sommes, même si elle n'a pas connu le péché. Le péché, je vous le rappelle, n'ajoute rien à l'homme, il ampute. Au contraire du péché, la richesse de Marie, c'est d'être la femme toute bénie, toute bénie. Elle absorbe en permanence une bénédiction exceptionnelle qui, sans la séparer des autres, lui donne de vivre pour les autres femmes et pour les autres hommes, bien sûr. C'est notre mère à tous, hein, même si on est un homme très masculin. Cette bénédiction de Dieu a saisi Marie lors de sa conception dans le sein de sa maman, Anne. Cette bénédiction la porte encore à son assomption, nous le fêtons aujourd'hui, au ciel, avec son âme et son corps. Ainsi donc, Marie est la réalisation de la féminité accomplie par sa réponse à Dieu, positive évidemment, et dynamisée par son existence vécue pour ses frères. Réponse à Dieu, existence donnée. Elle existe pour les autres. Le dynamisme de la visitation nous l'enseigne. On comprend bien que Marie, aurait pu être préoccupée de sa propre grossesse. Je rappelle qu'elle est enceinte de Jésus, précisément. Et c'est une toute jeune fille. Et c'est sa première et dernière grossesse. Or, sa cousine Élisabeth ne se trompe pas quand elle s'écrie « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, jusqu'à moi ?» Ce « jusqu'à moi » sonne comme le bout de l'amour. Marie a fait tout le chemin vers Élisabeth, comme elle fait tout le chemin vers chacun de nous. C'est extraordinaire, hein, on aime bien partager, nous, la route. Hein. Bon. Elle va jusqu'à Élisabeth, là où elle est, là où elle en est. Vieille cousine, crispée, dans son attente, angoissée de l'enfant, elle qu'on appelait la stérile. On imagine volontiers Élisabeth enfermée dans son complexe d'infécondité. J'ajoute, malgré le temps qui passe, une remarque très importante. La Vierge Marie vit ce que nous enseigne le pape François, la primauté du temps sur l'espace. Le pape François nous y invite et insiste beaucoup là-dessus. L'espace, les kilomètres séparent Marie d'Élisabeth, évidemment, à peu près une centaine de kilomètres et des chaînes de montagnes. La priorité de l'espace sur le temps aurait invité Marie à prier de loin pour sa vieille cousine. Or, la Vierge ne s'arrête pas là, elle part, elle franchit l'espace. Et en hâte, nous est-il dit, tout de suite, immédiatement. Pour elle, le temps prime sur l'espace. Elle sait qu'il y a urgence à accompagner sa cousine dans ses derniers mois de grossesse. Elle ne perd pas de temps. La route est longue, mais le temps est bref entre Marie et Élisabeth. Ainsi, elle initie un processus, le processus de la rencontre, sans se laisser arrêter par la longueur de la route. Retenez cette leçon, elle est importante pour la mission d'aujourd'hui. Elle ne dit pas « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de prier, d'aider l'autre, etc. » plus tard, oui, une autre fois, j'irai à Lourdes en pèlerinage. » Non, non, nous agissons ainsi parce que l'espace occupe notre tête. Et c'est pour cela que nous agissons peu ou mal. Nous avons les yeux fixés sur les difficultés de la route, alors que Marie suit la pression de son cœur.
Enfin, quelle joie pour Marie. Marie, la toute sainte, heureuse, elle vit aussi le bonheur, bien entendu. Sa cousine Élisabeth a décidément des intuitions formidables. Elle ajoute « heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Heureuse, la béatitude de Marie, cet éclat du royaume qu'elle reçoit. Voilà la femme qui connaît la joie d'être exactement et précisément disciple. Alors, qu'est-ce qu'un disciple ? C'est une personne qui croit, mais qui croit à la parole de Dieu sur elle et pour elle. Alors, attention à la distinction. Il n'est pas disciple celui qui adhère à des dogmes généraux, mais refuse de discerner et d'appliquer le projet de Dieu sur lui. La différence entre le croyant et le disciple. Le croyant reconnaît la vérité en général, le disciple marche avec elle, se soumet à la vérité. Nous ne serons missionnaires qu'à la condition d'être disciples. Disciples, missionnaires. Le pape n'a pas dit croyant, missionnaire. Il n'a pas dit ça, le pape François. Disciples, missionnaires. Il nous est impossible d'être missionnaire quand on est persuadé que la foi ne change rien à notre vie. Le disciple vit selon les appels de Dieu sur lui. Il discerne ses appels au quotidien. Alors, à la clé, c'est un grand effort, mais une joie immense, une joie immense. Malgré tout, jusqu'au pied de la croix, Marie va vivre cette béatitude de ceux qui ont cru à la parole de Dieu sur eux. Voilà Marie, la femme, avec toute sa richesse et sa complexité, est présentée avec une capacité extraordinaire à répondre par la foi aux appels de Dieu, aux impulsions de l'Esprit-Saint. Là où certains parleraient de passivité, la Bible esquisse au contraire une étonnante activité, la seule qui vaille vraiment finalement, l'activité audacieuse de la femme en tant que réponse positive, concrète, personnelle, rapide aux appels de Dieu. Ce don a pu jouer des tours à la femme quand elle a suivi les interprétations du méchant serpent, mais il conduit l'homme aux merveilles de Dieu dès qu'il n'écoute plus que Dieu seul. Invoquée sous tant de vocables, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame du Salut, Notre-Dame de Strasbourg, Marie, la toute femme, la toute disciple, répands sur nous, nous t'en prions aujourd'hui, ce matin, ta joie de disciple dans nos cœurs de croyants. Amen. Chantons notre foi. In credo in unum Deum. Pater omnipotente, factor celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Thank you.
et mortuos, coius regni non erit finis. Vierge Marie, préservée du péché originel, Dieu nous offre l'image de l'humanité nouvelle qui participe pleinement à la victoire de Jésus-Christ. Par l'intercession de Marie, l'Immaculée, adressons notre prière à son Fils, Jésus, notre Seigneur. Prions pour l'Église. Confions à Dieu tous les pasteurs de l'Église, les missionnaires, les catéchistes, qu'ils soient heureux d'annoncer l'Évangile, que leur vie reflète une belle lumière mystérieuse qui intriguera ceux qui les fréquentent et qui les amènera vers toi. Prions le Seigneur. Te rogamus audinos. Prions pour les personnes pauvres et malades. For all those who suffer in their souls and in their bodies, that in their ordeal they find true friends and hope in God. Let us pray to the Lord. Te rogamus audinos. Nos dirigeants politiques. Confiamos al Señor todos los dirigentes políticos que sean llenos de tu espíritu para ser siempre más verdaderos y justos, que sean también valientes en el camino de la defensa de la vida humana y el ambiente natural. Oremos al Señor. Te rogamos audinos. Te rogamos audinos. Prions pour l'unité des chrétiens. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й. С Мария, нашата майка, чието сърце е пропито с милосърдие, се молим за единството на всички християни и по-специално за гонените християни, да вярно да проявят вярата си в Твоята милосърдна любов. Те рогамус аудинос. Те рогамус аудинос. Прион по лепешър. Кум Бернадетта. Preghiamo per la nostra conversione, la conversione dei peccatori. Che ciascuno si apra alla misericordia infinita del Padre. Preghiamo il Signore.
Te rogamus, audinos. Te rogamus, audinos. Prions pour les familles. Voor onze families. Speciaal voor hen die beproeving van de onzekerheid en de verdeeldheid beleven. Laat ons bidden. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour cette intention. Ya la haqalim toma ya ahid kol. Khol lebed bronog biya kabira. Altujbuh yata. وبرعونا كم مقرولي طالغ بدل حطاي إيمان طلبي من نخر حميحن اللي وهلي شوقانا بشمد برونوغ إيشوم شيعة تيغو كامو ساودينوس Seigneur, notre Dieu, nous te confions l'avenir de la France et de chacun de nos pays. Par l'intercession de Notre-Dame, accorde-nous le courage de faire les choix nécessaires à une meilleure qualité de vie pour tous et à l'épanouissement de notre jeunesse grâce à des familles fortes et fidèles. Te rogamus audinos. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Terribili sono
elle est celle qui s'élève dans la clarté de l'aurore. Elle est celle qui s'élève dans la clarté de l'aurore. Elle est celle qui s'élève, qui s'élève. Marie, c'est la très pure, la Vierge Marie. Les anges se réjouissent, terre et ciel sont en fête. Alléluia, alléluia. Les anges se réjouissent, terre et ciel. Alléluia, 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 alléluia. Les anges se réjouissent, les anges se réjouissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent à monter vers toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Thank you.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour mon frère évêque Nicolas, nos frères évêques ici présents, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis. Souviens-toi en particulier de nos frères et sœurs malades, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été enlevée dans la gloire du ciel. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Lain, Clète, Clément, Siste, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogon, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Thank you.
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ avec toi, mon courage. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour recevoir la Sainte Communion, compte tenu du nombre que nous sommes, nous vous invitons à rester là où vous êtes et à ne pas vous déplacer. Les prêtres viendront directement dans toutes les parties de la basilique, y compris sur les rampes d'accès. Ne vous déplacez pas et attendez que des prêtres viennent jusqu'à vous. Per ricevere la Santa Comunione, vi chiediamo gentilmente di rimanere dove siete. Dei sacerdoti vedranno in tutte le parti della basilica, anche sulle rampe. In order to receive Holy Communion, we kindly ask you to remain where you are. Priests will come to give you communion everywhere in the Basilica. Thank you.
Alleluia, Gioia, Ire nel Signore. Magnifica, magnifica, Alleluia, 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 Alleluia. Sein Name ist
Prions ensemble. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je pense qu'on peut s'asseoir. Non pas que je vais être long, mais pour vous épargner. Monseigneur, lorsque l'eau est tombée du ciel, la pluie, voici qu'il a fallu guider le flot, surtout des pèlerins et des fidèles présents à cette Eucharistie, jusqu'en cette basilique qui est inondée positivement de cette présence. Et cela a été possible grâce à l'œuvre régulière de l'hospitalité Notre-Dame de Salut, sous la présidence depuis 6 ans d'Elisabeth de Place. Cette action, il la déploie aussi au service de nos frères et sœurs malades, qui permet ainsi qu'au cours de nos célébrations, comme tout au long de ce pèlerinage, chacun ait sa place et soit pris en considération. Nous sommes, comme vous nous l'avez guidé et encore redit aujourd'hui, porteurs à la fois de nos pauvretés, de nos richesses et de tout ce qui peut faire grandir en nous la joie que le Seigneur met en nos cœurs. C'est la raison pour laquelle le thème « Heureux, vous les pauvres » ne concerne pas les autres, mais nous est destiné et nous concerne à nous tous. Parmi les signes que nous avons vu vivre et avoir en évidence, il y a eu cette terre de France venue des différents endroits dont étaient originaires les pèlerins. Nous ne sommes pas exclusifs, nous acceptons aussi de recevoir tutti i peregrini, all the pilgrims coming from different countries to France, mais au moins que cela symbolise que nous sommes tous enracinés dans une terre d'origine d'où surgissent nos intentions de prière. Et tout cela réuni permet à la fois de briller, même dans les temps obscurs, comme cette flamme qui a illuminé chacune de nos célébrations. L'humilité de la Vierge, la simplicité de la figure des saints que nous avons évoquée, de Bernadette, Benoît Labre, les bienheureux martyrs d'Algérie, en particulier sœur Paul Hélène, petite sœur de l'Assomption, sont autant de cierges qui brillent dans le ciel, que Dieu le voit et que nous souhaitons encore plus faire briller. Nous l'avons vécu intensément hier soir. Aujourd'hui, parce que nous sommes assurés qu'après une telle célébration chaleureuse, le soleil rebrillera cet après-midi, nous pourrons nous réunir autour de la grotte de Massabielle sous votre présidence pour prier pour la France. Portez toutes les intentions pour que la justice et la paix soient plus fortes et plus vivantes et que nous soyons à notre tour des témoins à l'égal de ceux qui nous ont été proposés, figure de saint et par excellence figure de la Vierge Marie en son Assomption. Au terme de cette célébration, nous remercions bien entendu Monseigneur Antoine Hérouard, le délégué apostolique du sanctuaire, ainsi que le Père André Cab et les chapelains de nous avoir accueillis en ce lieu, nous tous pèlerins, pèlerins en particulier du pèlerinage national, afin de continuer tout au long de ce jour à pouvoir prier, nous unir, et être ainsi des fidèles disciples du Christ, habités de la joie à laquelle il nous invite. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Amen, amen, alléluia. Donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie.
Amen, amen, alléluia. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen, amen, alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Dans la paix du Christ, nous. Maintenant, tire ensemble l'Angélus. Il est presque midi. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Dieu notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
à la tête du serpent. Ce qu'Isaïe a annoncé, c'est que l'ange Gabriel a visité. Oh, c'est elle qui était au noce de Cana. C'est la Vierge Marie. Oh, oh. Comme le vent, belle comme la lune, éclatant comme le soleil. Elle est terrible, comme une armée rangée en bataille. C'est maman Marie, oh, 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 oh. Quelle est celle-ci qui s'avance comme le vent, belle comme la lune, éclatant comme le soleil. Elle est terrible, comme une âme rangée en bataille, c'est maman Marie. Oh, oh, oh. Ave, ave, ave. Marie est là, Marie est là, elle est là, Marie est là, maman Marie est là, maman Marie.
kasiwo onyo mi ojo asumo noni ba obe aji adasamo aye aye oba ko mo ya 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 ye mo ya 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 oto ye onyo be ye asera se ho Oh, say it, baby, you are yay. That day, I said, I said, oh.